Jesus, where? Alors Roxane, tu as intégré la classe arbitre de Épinal. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix d'études? Ce qui m'a motivé, c'est le fait d'avoir Benoît Bastien, qui est un très grand arbitre et qui nous fait un peu tous rêver. Et puis l'arbitrage, j'aime vraiment ça, c'est une passion. Alors le fait de pouvoir en faire tous les jours et de pouvoir être dedans tout le temps, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Alors l'arbitrage, c'est une passion. Comment les gens autour de toi, ils ont réagi quand tu leur as dit que tu prenais cette destination-là? Ma mère, elle a beaucoup aimé, car ma mère, elle aime beaucoup le foot. Mon père, il était un peu perplexe. Et pour lui, les arbitres, c'est pas vraiment du sport. Et au fur et à mesure que j'ai arbitré, qu'il est venu me voir et que ma mère est venue me voir, ils ont vraiment pris conscience que j'aimais ça et que je voulais vraiment faire ça. Alors comment t'as vécu cette journée? Parce que t'as alterné entre le centre et arbitre assistant. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Alors le début, c'était vraiment un gros coup de stress. Je fais le premier centre sur le stade Marcel Picot. C'est mon premier ici, donc c'était un vrai coup de stress. Et ensuite, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et les équipes sont vraiment super, les joueurs très bien éduqués, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Alors est-ce que t'as une petite prédilection entre le centre et la touche? Je préfère le centre. Ouais. J'adore le centre, mais j'aime vraiment bien faire la touche aussi. Bon. Et comment ça se passe une semaine, justement, l'enseignement de l'arbitrage et les cours? Comment tout ça est panaché? Alors, le lundi, on fait de l'entraînement, la récupération par rapport au week-end, au match qu'on a eu le week-end. Le mardi et le mercredi, on est en salle, on révise les lois du jeu. On fait des analyses, on fait des questionnaires, des choses comme ça. Et le jeudi, de 16h30 à 20h30, on a de l'entraînement physique, sportif, avec souvent Benoît Bastien, il est souvent là le jeudi. Alors une femme dans le foot, c'est déjà quelque chose, mais une femme dans l'arbitrage, c'est exceptionnel. T'as l'impression d'être un peu une pionnière? Pas une pionnière, mais c'est vrai que c'est exceptionnel et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu intégrer cette classe sportive étant donné que je suis la seule fille et je suis beaucoup soutenue. Ils me soutiennent beaucoup, ils veulent vraiment me faire avancer, donc je trouve que c'est avantageux. Félicitations, toi, on va te suivre tout au long de ta carrière. Merci beaucoup. Allez. Quand c'est une première, il y a toujours une petite appréhension. Évoluer dans un stade tel que celui de l'équipe professionnelle de la SNL. Et puis sur une catégorie de joueurs qu'elle n'a pas forcément l'habitude de diriger, avec un niveau de jeu qui est quand même intéressant. Donc voilà, une impression très positive et puis de bonnes sensations pour elle. Donc c'est de bon augure pour la suite. Et vu que les matchs sont filmés, on va pouvoir débriefer et analyser tout ça au chaud lors d'une prochaine session de cours à Épinal. Voilà. Parce que tu as des qualités, tu sens bien le jeu, tu as bien appliqué, tu étais élégant, tu as bien fait les choses. Moi j'ai bien aimé parce que on est ici pour voir du jeu. Et c'est l'objectif, c'est l'entraînement. L'arbitrage féminin offre de belles perspectives aujourd'hui. Il y a des possibilités d'évolution qui sont très intéressantes pour les jeunes filles qui sont dans les critères d'âge de Roxane. Et donc voilà, je ne peux qu'encourager les demoiselles qui sont au lycée ou au collège de se tourner vers l'arbitrage où il y a de belles choses à vivre. Et puis c'est une belle preuve de motivation de sa part puisqu'elle est licenciée en Moselle, à Richemont, et elle fait ce trajet pour vivre sa passion de l'arbitrage toutes les semaines avec la section d'Épinal. Exactement, une vraie passionnée comme le sont tous les élèves de la section. Donc voilà, chaque lundi matin, elle se lève très tôt pour prendre le premier train et rejoindre le lycée à Épinal afin de suivre sa scolarité toute la semaine et d'avoir des cours d'arbitrage tous les jours le soir pendant 1h30 avec ses collègues. Ce qui vaut pour Roxane et ses collègues, ça peut les amener jusqu'à quel étage, tu penses, dans l'arbitrage? Eh bien, l'objectif, c'est d'accélérer en fait la progression des arbitres qui débutent, qui sont dans leur cas, sur les premières étapes au niveau district, au niveau départemental et puis au niveau régional. L'objectif, c'est de suivre un petit peu le parcours de leurs prédécesseurs qui étaient encore en classe l'année dernière et puis dont l'un est toujours là, Maxence Richard, de manière à les amener au plus haut niveau jeune, à savoir préparer le concours de jeune arbitre de la fédération qui permet d'évoluer sur les catégories les plus hautes au niveau jeune, à savoir le U17 national et le U19 national. Voilà.